Bonjour à toutes et à tous, c'est Pyrux. Aujourd'hui, on se retrouve pour enfin les épisodes et la suite du coup de Demon Slayer. On va se faire l'épisode 5, 6, 7, 8. Et on finira avec les 5 derniers épisodes pour terminer la première arc, entre guillemets. Ils appellent ça comme ça sur Wakanim. 4-4-5 finalement, parce que je voulais faire 4-5-4, mais finalement 4-4-5, c'est survient au même. Et puis je pense que c'est plus sympa d'avoir un gros condensé sur la fin de ce premier. Premier arc, voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Du coup, on peut lancer. Enfin, oui, je peux dire que vous avez quand même kiffé que je fasse du autre chose que One Piece. J'ai pu le voir, même si vous attendez principalement souvent du One Piece. Bon, après, je sais qu'avec One Piece, vu la communauté de malades et en même temps l'engouement que j'ai pu créer sur le fait que je rattrape One Piece, alors que bon, j'ai vu quand même beaucoup d'animes, mais pas One Piece. Forcément, ça l'intéresse pas mal d'entre vous. Et vous vous dites, bah, c'est intéressant de voir un mec qui aussi calé, enfin, en manga, il a regardé quand même pas mal de trucs, le mec, il a pas regardé One Piece, je pense que ça peut aussi intéresser à ce niveau-là. Mais du coup, KNB, ou plutôt Demon Slayer, KNB, c'est Kuroko no Basket, KNB, KNY, donc on va rester sur Demon Slayer, ça va être plus simple. C'est différent évidemment et c'est surtout parce que ben, ça a beaucoup plu et moi je suis content de pouvoir le découvrir assez récemment quoi parce que ça s'est arrêté il y a quelques un mois peut-être donc voilà. Allez let's go, on est épisode 5, chacun son acier, on verra bien, je coupe un petit peu où je le sens et on verra bien. Ah oui ça commence, on n'est pas sur le même délire que One Piece, hein. C'est beaucoup plus dark, hein. Moi j'aime bien. Vous savez, tout ce qui est un peu dark. Tout ce qui est un peu plus violent. Ah. Est-ce que ce serait... Ah, ce serait l'histoire justement du fameux démon qu'on... Que... Comment il s'appelle le héros? Que le héros a battu. Mais que là, c'est donc... Le maître l'a scellé, je pense. Pour lui dire, enfin pour voir en fait l'histoire du démon. Jimbari? Non, comment il s'appelle? Le héros. Faut que je me remette dans les noms. Ça fait quand même un petit moment, hein, c'est depuis Noël. Enfin, un peu avant. Musique style en tout cas. En fait, ce que j'aime beaucoup dans Demon Slayer, c'est que... Ah, voilà. Oh. Et ça tombe comme un ballon, mais c'est abusé. Non, mais... Qu'est-ce que je voulais dire? Ce que j'aime bien, vu que c'est un manga avec des épées, on a certains mouvements, certaines scènes, certains plans, bah, qui ressemblent dans l'exécution, et c'est ce que j'aime aussi dans Bleach. Je le retrouve ici en mieux animé quoi, parce que bon, c'est quand même du 2019, c'est sacrément bien animé, hein, Demon Slayer. Et là c'est plus facilement comparable vu qu'on est dans un manga de bah, des pays quoi, qui tue des démons, hein, on n'est pas trop loin. Mais pas content tu vois, pas si fier que ça. この人が今度生まれてくる時は鬼になんてなりませんように兄ちゃん兄ちゃん兄ちゃん手握ってくれよしょうがねえないつまでも怖がりで C'est beau quand même, hein. C'est bien scénarisé. Mais j'aime beaucoup qu'on sait par rapport aux âmes, tout ce milieu-là. Ça aussi, c'est fou quand même. Il parlait aux âmes déjà. En fait, il parlait aux âmes.
Putain, quand on y pense, c'est tellement proche de Ichigo au final, qui parlait aussi aux âmes. C'est fou, hein, quand on y pense. C'est fou. Je ne peux qu'aimer en fait. La seule différence, c'est que ça va plus vite dans les exécutions, dans l'histoire, dans ce qu'ils veulent montrer. Et il y a une quête plus définie, disons, avec sa sœur, qui est malade et soignable visiblement. Maintenant, je suis pas sûr, mais. Ah oui, c'est vrai qu'il est dans une compétition. C'est quoi, un truc de survie? C'était quoi? C'était le truc final en plus. C'était le truc de sélection finale pour devenir Demon Slayer, non? C'était ça le délire. Hein. Comme un peu dans Hunter Hunter. Pour devenir Hunter. Ah, bah il est revenu. C'est pas le cas de départ ça, parce qu'il disait que ces fleurs, ça éloignait les démons. Ah. C'est ça. Maintenant, je pense. Voilà ce que j'allais dire. On devrait avoir des nouveaux persos parce qu'il faut. Il peut pas être seul tout le long, c'est pas possible. Bah, en même temps, frérot, c'est des chèvres, c'est des chèvres. C'est le seul qui est pas choqué, genre limite. Félicitations. Oh. Ouais. Le casse-couille. Intéressant. Ok. C'est pas par rapport à l'alphabet japonais. Ah non, je sais pas. Oh non, mais lui il est con déjà. Il fait le mec excité. Il y a toujours. Il y a toujours comme ça. Mais c'est sérieux là? Mais wesh. J'espère qui va se remettre à sa place. Il va dire son nom comme ça, je me rappelle. Jimbi. Je sais plus exactement son nom. Tiens, il fait son malin, lui. Ça a décoiffé quand même. Vous avez fini vos enfantillages ou pas? En fait, ils sont pas des couilles. Je pense que c'est des trucs même pas vivants en fait. C'est des poupées, genre. C'est un peu leur pouvoir, c'est ça? Ok. C'est le type d'acier. C'est ça que ça veut dire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Est-ce que ça veut dire qu'il y a 15 types d'acier différents? Donc 15 types différents. C'est parce que ça ferait un peu chaud là. Ah bah oui, elle était à HF, c'est vrai. Oh, c'est mignon. C'est vrai qu'elle était en HS complet, la pauvre.
Et lui, il est en mode choqué, en mode il est revenu, putain de merde. Oh, c'est trop mignon. Il pleure aussi, je pense, ouais, on voit à gauche. C'est trop chou. Bah ouais, c'est vrai, il a porté le charbon, non, je sais pas quoi. Ou les bûches. Ouais, c'est ça. Ça me suit quand même. Oh, mais wesh! Attends, frérot! C'est le même sabre que c'était Tensazangetsu. C'est incroyable. C'est le même que celui d'Ichigo. Si la lame elle est noire actuellement, parce que le contour est aussi rond comme ça. Tout est noir. Ça c'est noir et rouge. Si la lame elle est noire. Ah ok, il change de couleur. Il ressemble trop. Ok, il est pas noir. Mais il a changé de couleur. C'est incroyable, pour moi il y a un clin d'œil de ouf là. Ok, il est noir. C'est un putain de clin d'œil à les gars, c'est un clin d'œil à Ichigo là. Enfin à Bleach, c'est sûr. C'est la même chose. C'est trop bien. Oh putain. Ah. El Corbo. Non, franchement. Oh, il parle. Ah, c'est un pervers, démon pervers. Non, et point fort pour l'instant Demon Slayer. La musique, clairement. Et les combats. Les peu de combats que j'ai vus, c'est déjà vraiment cool. En plus, il a Tensazangetsu dans les mains. Pour moi, ça va très bien. Mais il a pas de nom. C'est quasiment la même. C'est quasiment la même lame, les potes. C'est une dinguerie, quand même. Du coup, on se retrouve pour la suite. Attends. Oui, vous m'avez confirmé que c'était le seiyuu possiblement de Jiraya. Moyen. Je pense que vous m'avez confirmé un truc comme ça. Mais je suis pas sûr. Parce qu'il est très calme. Ah, ok. Ouais, c'est rare. Ça, c'est intéressant, ouais. Comme par hasard, tu sais. S'il peut faire des Ketsuga Tensho avec, moi je dis pas non. J'adore l'ambiance que dégagent les épisodes, en tout cas, de ce manga. C'est très plaisant à regarder, en tout cas. Je sais pas... Demon Slayer. Dis-le. Ah non, j'aime bien.
J'ai pas pensé que ça pouvait être une fille aussi. Jalouse. Un démon en fille. Jalouse de... Parce que personne ne la veut, je sais pas. Ah non. C'est là. En fait, on sait pas pour l'instant. Ok, donc c'est un démon qui peut se confondre dans la matière. On est sur quelque chose d'assez quand même un peu commun, je pense. Allez, s'en bat les couilles, je pense. Hein. Ah. Ça me stresse cette musique. Ah ouais, c'est... Elle se dit ça alors que... Ah ouais, d'accord. Qu'est-ce qu'il fait du coup? Il les aspire. Ah, les voilà. Là voilà, le voilà. Putain, c'est un sacré démon quand même. Ah ouais, ça laisse aucune trace. Ah, tu m'étonnes que c'est chaud. Trop stylé. Mais frère, il faut bien qu'ils se battent contre des démons, c'est normal. Tellement stylé. Mais c'était trop tard, le problème, c'est ça. Vas-y, fais-nous un petit Getsuga Tenchu. Bah oui, parce qu'il a piqué une humaine encore. Est-ce qu'il va comprendre que c'est dans la matière? Nickel. Je veux juste pas qu'il ait planté la meuf, ça. Il l'avait pas encore bouffé, c'est vrai que ça se trouve il les garde. Hein. Ah voilà, on va voir. Est-ce que c'est un mec ou une fille du coup? Un démon supérieur. Ouais, il explique avant. Putain, c'est ouf, il y a tellement de possibilités de faire des trucs stylés. Ah non. Oh là là, il fait mal aux oreilles. Oh là là. Il est fou. Je crois. Ouais, mais il fait plus. Oh putain. Oh, il fait des kagebuchin. Ah ouais. T'es mon tellement stylé la musique. Kibutsuji Muzan. Ok, très long quand même. Putain, mais c'est le même style de musique un peu rock. Je kiffe! Allez!
Maintenant je suis enchaîné. Toi qui pose cette boîte là. Peut-être qu'il peut se décupler, mais que c'est le même gars. Voilà, c'est ça. C'est lui-même séparé en trois. Tu connais les techniques à toi dans la retour. Je l'ai regardé quand même. Attention. Concentre-toi. Il y a un mélange de musique épique et rock. Voilà, là, il y a du rock un peu. Enfin, rock. Rock japonais, quoi. Tu sais, il a fait route d'eau. Une route d'eau. Ouf, dommage. Oh, c'est des. Il est schizophrène! Le démon schizophrène! Oh l'enculé! Ah putain! Et ça c'est le troisième, ouais. Il est triple personnalité le mec. Oh là là! Oh! Le ruban. Ouais, bah ouais. Non, fais pas le con, lâche pas la vie, lâche pas la fille. Oh, bah ouais. Là encore un autre style de musique. Ça c'est plutôt vraiment japonais ça. Est-ce qu'il est KO? Ah oui, c'est elle. Allez. Faut pas qu'il fuit. Ils vont fuir. Forcément. Ils vont pas rester alors qu'ils sont deux maintenant. Putain, elle a réagi. Hein. Oh. C'est trop mignon. Tant qu'elle pète pas un câble. J'ai peur qu'elle pète un câble quand même. Non? Ah non, c'est bon. Ah ouais. Nezuko na nemutte iru aida ni washi wa anji o kaketa. Anji? Ningen wa mina omae no kazoku da. Ningen wo ma. Oni wa teki da. Putain, trop bien. Ah, c'est bien. C'est pour ça qu'il a vu. Ok, j'ai compris. Ah ouais. Tellement cool. Bref, on se retrouve pour la suite du coup. La fin du combat, mais on arrive tout de suite. Allez, let's go. Et on reprend. Ah ouais, ça enchaîne. Hein. Ah non, c'était dans l'épisode précédent ça. Ah non. Non, non, c'est celui-là, c'est la suite. On remarque du coup dans un même combat il y a quand même beaucoup de musiques différentes, c'est assez sympathique, comme s'il y avait des phases dans le combat qui faisaient que cette musique pop et pas celle-ci. Faut juste qu'elle fasse gaffe parce que bon elle est un petit peu plus. Comment dire. Elle y va à tête baissée. Ouais, sacré réflexe. Elle écoute, hein.
Nezuko est maintenant Oni. Ah oui, il y a des. Bah oui. Faut jouer de ça et faire du duo, du duo. En plus, ils sont trois. Il va plonger dedans. Ah ouais. Du coup, c'est quoi? C'est de l'eau, genre? C'est tellement spécial. En gros, c'est leur entraille, ça, ou c'est quoi ce délire? Oh, lui, avec ses dents, c'est horrible. Oh. Je déteste ça. Les grincements de dents, c'est... Oh là là. Tue-moi ça. Ouais, bah tant mieux. Parce qu'on va forcément arriver à un point où Tanjiro sera dans la chiasse intégrale. Ouh, c'est le dixième. La dixième. Attention. Ah oui, c'est vrai, l'histoire de la faille. Sixième. En plus, on a marécage, ça va. C'est comme il dit, c'est dans... C'est exactement où il faut, là. Ah non. Ah, à moins quand on est revenu en arrière dans le truc, ouais, je vois. Allez, tu dois un contre un. Ça va faire mal. Oh là là, la patate! Elle est sous coup trop chaud! Elle envoie des patates. Elle n'a pas de pouvoir, elle. Mais pourtant, non, justement, elle en prend pas de son. Ça fait quand même mal. Oh là là, mais c'est trop stylé. Là j'ai quand même vu une anse de Getsuga Tensho. L'arc de cercle. Voilà ça. Ce mouvement là. On était proche. Moi je suis fan. Tanjiro, je suis fan de toi, c'est bon. Mais intéressant, combat, franchement les combats sont super stylés, c'est une dinguerie. C'est simple, mais je sais pas, c'est efficace, c'est... いらない。
骨の奥まで震えるような恐怖の匂い。Oh là là, le one shot. Évidemment, je vous ai pas dit, mais bon, c'est un manga où il y a des têtes qui sont tranchées, du sang, etc. Donc pour ceux qui sont trop jeunes, évidemment, ne regardez pas. Ça peut vous choquer, hein, évidemment. Donc soyons... Je le dis au cas où quand même, mais on n'est pas sur quelque chose de... d'enfantin, hein. Même si c'est un dessin animé. Sommes-nous d'accord ? On est d'accord. D'ailleurs, je ne vous ai pas posé la question, mais je peux vous le poser là si je laisse le passage. Du Pokémon, ça vous dit en anime ? Voilà, je le dis comme ça. Prochaine quête, du coup ? Ah, moi, je kiffe trop. Oh là là. Tout ça à cause de Muzan, ouais, c'est ça. C'est un peu le mec qui transforme tous les humains en démons. Un peu à la, finalement, à la Dio, quoi. À Tokyo ! Et Asakusa, c'est là-bas qu'elle est... Enfin, Asakusa, c'est, il me semble, c'est là-bas qu'il y a... Un Pokémon Center, il me semble. Ah, Asakusa. Putain, c'est bizarre, il a dit ouais à Tokyo. D'habitude il sort des noms toujours un peu. Ah oui, et en fait il était vraiment juste dans la campagne en fait. Je pensais qu'on était dans un arrière-temps en fait. Non. Bon, c'était quand même un peu avant de l'heure actuelle, mais quand même. C'est juste qu'il était très, voilà, dépaysé quoi. Oh, ça va être sympa ça de se battre là-dedans. Et pas dans l'esprit sauvage un peu, tu vois. Ah, c'est cool, ils changent en plus d'environnement, moi j'aime bien. Oh là là. Oh, ça me donne trop faim. Oh. Oh. Oh non, il a lâché son truc. Quel gâchis. Ah, il doit être puissant. Il doit être puissant, hein. Oh là là. Il a peur un peu, non? Peut-être qu'ils seront plusieurs à battre un seul démon des fois. Hein. Pourquoi il panique comme ça? Oh putain, ok, d'accord. Direct. Oh, c'est sérieux là? Ouais, il se fait passer pour des mains en ayant un gosse qui n'est pas lui parce que le gosse il a pas les yeux rouges. Oh. Il sort avec. Mais c'est quoi ce taré? Il est trop fort. Il se fout dans la... il se met dans la masse. ないのか。わからないのか。こいつが鬼だって。人を食うって。お知り合い？いいや。困ったことに少しも知らない子ですね。人違いではないでしょうか。まあ、そうね。
Mais ouais! Ah, comme ça il se transforme en démon et il doit le battre lui et il peut se casser. Oh le carnage! Ah ouais, le carnage. En plus, à Tokyo, c'est un carnage. Enfin, c'est que lui qui peut faire ça du coup. Il est trop stylé par contre. Oh. Incroyable. Oh, incroyable. On va du coup enchaîner. Comme je l'avais prévu. Waouh, 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 waouh. On a direct le gros méchant là qui pop. Mais là, un air un petit peu. Ouais. Il s'en bat les couilles quoi. Il est en mode. Moi, je suis avec des humains. Bon, visiblement. Peut-être qu'il les tue pas eux pour l'instant. Parce qu'il doit se mêler à la masse. Et comme ça, derrière, il peut faire ce qu'il veut. Mais j'aimerais bien savoir son objectif à lui de rendre tout le monde dément. C'est quoi cette histoire? Bref. On se retrouve du coup pour le quatrième épisode. Allez, on continue. Dernier épisode. Parle d'un mec, on sait même pas encore ses compétences. Mais... Qu'est-ce que ta petite voix là? C'est un démon ou une Demon Slayer? Je pense qu'il doit se souvenir. Ça va, il est assez. Il parle bien et tout. Il est poli et tout. Un peu aristocrate, limite. Ouais. Elle a pas aimé ça. Il aime pas ça.
Ah, vous savez à qui me fait penser? What the fuck? Oh, il va exploser. Enfin, imploser. Putain. Dégueulasse. Tout ça parce qu'il a dit t'as l'air pas bien. Oh, ok. Mimini Hanafuda no yona kazari o tsuketa onigari no kubi o motte koi. Il me fait penser à Meruem. Qui peut dire dans son calme. Oh putain. Oh trop stylé, ils peuvent vivre cachés comme ça. Donc c'est cool, bah, c'est-à-dire qu'il y a des démons qui sont un petit peu en mode neutre. C'est des démons en mode ils font leur vie. Un mec qui panique. どうぞ。ただいま戻りました。お帰りなさい。先ほどはお任せしてしまいすみません。その奥さんは。この方は大丈夫ですよ。ご主人は気の毒ですが、拘束して地下牢に。 人の怪我の手当てをして辛くないですか。まあ、別に。鬼の俺たちが死肉の匂いに溶だれを垂らして。え、c'est une question tranquille。ben ouais, c'est une question qui peut se poser。なぜ暴力を振るうの。名乗っていませんでしたね。私は玉代と申します。その子は湯城。 仲良くしてやってください。トロンノン、c'est la plus vite à tout retenir。タマシロ、ユシロ。無理だな、これは。辛く。Il s'est fait gronder。普通の鬼より、かなり楽かと思います。私は、私の体を随分いじっています。ああ、bah oui, le médecin。鬼仏寺の呪いも外して。ああ、voilà。Donc il y a pas beaucoup du coup de démons comme elle, quoi. Bah, le fait de pouvoir les rendre démons. Ah oui. Et vu que c'est une médecin, ça passe crème. この人たちから鬼特有の異臭がしない理由はそれなんだ。でもやっぱり人の血は必要。血だけならネスコにも。ユシロはもっと少量の血で足ります。この子は私が鬼にしました。あなたがですか。あ、メン。でも、え？そうですね。あと、鬼物自以外は鬼を。Oui, voilà, c'est ça le truc. それはおおむね正しいです。200年以上かかって鬼にできたのはユシロただ一人ですから。200年。200年。200年以上かかって鬼にできたのはユシロただ一人ですから。玉代さんは何歳ですか。ユシロ。 次にその子を殴ったら許しませんよ。はい。怒った顔も美しい。一つ誤解しないでほしいのですが、
Je ne te veux aucun mal. その処置はしません。その時は必ず本人に鬼となっても生きながらえたいか尋ねてからします。 嘘偽りのない清らかな匂いがする。この人は信用できる。 Mais du coup, est-ce qu'elle allait faire l'inverse ? 鬼になってしまった人、人に戻す方法はありますか ? Là, il y a deux mercenaires. Avec ta petite... La petite balle. Abuse. C'est tellement ouf, son pouvoir. Mais what, il voit tout. Oh, déjà ça c'est cool. C'est pas la même chose. あの、エレクシスメイフォーを、ま、ディア、アントリスペシフィック。治療薬を作るためには、たくさんの鬼の血を調べる必要があります。あなたにお願いしたいことは、あ、レッスンで根付こう。一つ、妹さんの血を調べさせてほしい。二つ、できる限り、鬼物児の血が濃い鬼からも血液を採取してきてほしい。根付子さんは今極めて稀で特殊な状態です。 2年間眠り続けたとのお話でしたが、おそらくはその際に体が変化している。通常、それほど長い間、人の血肉や獣の肉を口にできなければ、まず間違いなく凶暴化します。玉代様は今日も美しい。きっしょん、スピラ。人明日も美しいぞ。しかし、驚くべきことに、禰豆子さんにはその症状がない。スペシャル、je pense. この奇跡は今後の鍵となるでしょう。禰豆子。めっちゃ超。もう一つの願いは過酷なものになる。鬼物児の血が濃い鬼とは、すなわち鬼物児により近い強さを持つ鬼という。まあ、いや、2だ、鬼人2。そのような鬼から血を取るのは良い。まあ、faut que j'aille les assommer après。 あなたはこの願いを聞いてくださいますか? それ以外に道がなければ俺はやります。玉代さんがたくさんの鬼の血を調べて薬を作ってくれるなら、そうすれば禰豆子だけじゃなく、まあ、そうさ、もっとたくさんの人が助かりますよね。まあ、それはそうさ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 、それはそ
Ils sont bien faits, hein. Ils sont super bien faits. Hein. C'est un peu les premiers vrais ennemis là. Un peu plus stratégiques. Et ils sont deux surtout, ça va être chaud. Je sais pas si le mec qui fait juste le chemin est juste là pour pister et que c'est l'autre qui combat. Mais dans tous les cas, c'est sacrément intéressant. On va s'arrêter là pour ce quatrième et dernier épisode de la journée, hein, pour moi. Et pour vous, bah, ça vous fait un truc assez condensé. Donc ça vous fait normalement au moins une bonne heure de vidéo, je pense. Peut-être un peu moins, ça dépend comment j'aurais condensé tout ça. Mais principalement, le trois quarts d'épisode est à garder. Hein. Maintenant, ça va voir si avec les droits d'auteur, je peux tout garder. Bref, je vous laisse là-dessus. C'était Pyrux. Laisse un gros like si vous aimez, bien sûr, Demon Slayer. Et vous aurez la suite assez prochainement. Je pense vous avez une fois par semaine, vous aurez, parce que mine de rien, on avance quand même 4 à 5 épisodes parfois. Quand je vous mets du Demon Slayer, c'est quand même assez rapide, sachant qu'il n'y a que 26 épisodes, donc ça sert à rien d'aller plus vite que ça. Bref, à la prochaine. C'était Pyrux, et j'espère que ça vous a plu de retrouver du Demon Slayer. Et prochainement, donc du coup, ça va être One Piece. On va essayer de faire One Piece, Demon Slayer. Et à chaque fois que je finirai en fait un petit anime comme ça, comme Demon Slayer, on va en enchaîner un autre qui est récent, comme par exemple, à tout hasard, Dr. Stone. Et comme ça, on essaie de rattraper des trucs. Bah, One Piece, c'est quand même assez long, mais à côté, on a autre chose aussi qui fait que ça change un petit peu le contenu. Je pense que ça vous fait kiffer. Moi, je vous dis à la prochaine. Encore une fois, c'était Pyrux.